Lire pour débuter le verset 7 afin de montrer dans les siècles à venir, qui veut dire dans notre temps aussi, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, peux-tu nous parler au travers de ta parole? Veux-tu la rendre vivante par la conviction de ton Saint-Esprit? Tu es ici, Seigneur. Ton esprit est ici. Ta parole est ici. Et nous te croyons, Seigneur. Nous te croyons et nous t'aimons parce que tu as fait une œuvre glorieuse et merveilleuse en chacun de nous, Seigneur. Tu nous as sauvés et nous pouvons nous rappeler ce jour de ce salut lorsque tu as visité notre, notre âme, notre cœur et notre corps, Seigneur. Tu as fait de nous des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, sont devenues nouvelles. Tu nous fais passer des ténèbres à la lumière. Merveilleux Jésus. Et tu nous gardes dans cette lumière, si grande, si bonne, si merveilleuse, si glorieuse. Ta lumière, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. La bonté de Dieu, hmm? la source de l'infinie richesse, de sa grâce, nous vient de sa bonté. Envers chacun de nous, Dieu est bon. Amen. Allons dans Marc. L'évangile de Marc au chapitre 10, verset 17. Ici, c'est un jeune homme qui s'est approché de Jésus. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il y avait la richesse, il y avait tout, c'est un jeune homme riche, mais il n'était pas sûr de son salut. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Ça existe, la vie éternelle. Il y a une vie après la mort, mes amis. Jésus l'a prouvé en ressuscitant des morts. On peut pas avoir une plus grande preuve que ça. Il a fait trois résurrections. Elle le répète toujours. Elle le répéterait toujours. Une jeune fille, un jeune homme, puis Lazare. Trois heures différentes. Puis il y a une résurrection spirituelle à travers tout cela aussi. Alors, Jésus lui, lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Pourquoi m'appelles-tu bon Cet homme ne connaissait pas la divinité de Jésus, mes amis. Il ne la connaissait pas. Jésus euh, mit au défaut, au, au défi cet homme de réfléchir avant de lui donner le titre de bon. Et c'est pour cela que Jésus lui dit Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus ne remet nullement en cause sa divinité. Bien au contraire, il la réaffirmait. Quand Thomas lui dit Mon Seigneur et mon Dieu Jésus n'a jamais repris ou corrigé cette déclaration. Il l'a pleinement acceptée parce que Thomas avait, venait d'avoir une merveilleuse révélation de l'Esprit de Dieu. Une merveilleuse révélation. Et lorsque Pierre a dit, Tu as les paroles de la vie éternelle, à quel autre irions-nous qu'à toi C'est encore une révélation que cet homme-là avait eue, une révélation sur Jésus-Christ, qui il était. Tous ceux qui connaissent Jésus-Christ d'une façon personnelle et intime, peuvent lui dire, Bon maître, parce que Jésus est Dieu fait homme. Et il le sait. La source profonde de sa bonté nous est offerte. On va aller dans Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés de la vie, des problèmes de la vie, du salut de tout, ceux qui cherchent par les œuvres le salut, hein. je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Du repos pour nos âmes, du repos pour notre corps, du repos pour notre esprit. C'est une invitation aussi que Jésus lance. Venez à moi. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ça, ça veut dire de lire la parole, de l'étudier. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il y a un repos, mes amis, il y a une paix, il y a une joie dans le Seigneur. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parce que le Seigneur ne nous laisse pas porter tout seul. Il le prend. Il le prend. Si on est assez intelligent pour le mettre sur les épaules de Jésus, il va le prendre. Il le promet. Sa parole est vraie, est véritable. Alors, c'est une invitation ouverte à tous ceux qui l'entendent. C'est une invitation généreuse que Jésus lance. Et elle est pour tous. Pour tous. Toute l'humanité. Mais elle est formulée de telle manière que ceux qui y répondent sont des personnes souvent accablées, affligées, attristées, au pied du mur, hein? écrasées et abattues par le poids de leurs péchés et de leurs échecs spirituels, fatiguées de toutes leurs vaines tentatives de se sauver eux-mêmes par leurs propres efforts. Par leurs œuvres, il y en a plusieurs qui ont été enseignés comme ça, et par le respect scrupuleux de la loi. Vous savez que Dieu a donné une loi, puis la loi de Dieu est parfaite. Mais s'il n'y aurait pas eu de loi, le péché n'existerait pas. Mais le désordre existerait, par exemple, la folie existerait. Alors, il a fallu que Dieu mette des lois. Moi, j'étais, je me promenais dans des îles. Là. Il n'y avait pas de loi sur la route. Est Chaque instant, tu étends de la vie par mort. Tu arrives à un quatre-chemins, puis tu ne sais pas si tu vas te faire couper en deux. Tu apprends tout pour avoir des stops. Ça n'a pas de sens. J'ai vu des personnes traverser d'une autoroute à l'autre un petit show, pour partir sur l'autre bord, puis de couper le chemin, puis deux jeunes en moto. Je me croyais dans ma neige. Ça n'a pas de sens. Ça prend des lois, mes amis. Ça prend des lois. Mais la loi dénonce le péché, dévoile le péché. Avec les lois, on, y a des, on, on voit nos fautes, on voit nos erreurs. Sans ça, le monde ne voyait à rien. Et le Seigneur a dit Vous allez voir. Il <laughs> va bon, vous ouvrir les yeux par une loi. Mais. Il n'a qu'à essayer de respecter cette loi-là. Peut-être que sous votre, votre dossier sur la route est parfait, mais je suis certain que vous avez commis beaucoup d'erreurs mais vous avez triché souvent. Même si vous avez fait de votre mieux, parce qu'on est pécheur et on a une nature pécheresse. C'est pour ça que Dieu a donné des lois, pour qu'on se voie. Alors par leur propre effort, par leurs œuvres et par le respect scrupuleux de la loi et de la religion, peu importe le nom, une religion quelconque. Venez à moi, venez aux eaux de la vie, les eaux pures, les eaux tranquilles, les eaux paisibles. Venez, venez vous libérer de votre fatigue, de vos fardeaux insurmontable. Et il vous donnera le repos, la paix et son Saint-Esprit pour vous guider tout au long de votre vie. C'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie et dans la vie de beaucoup ici. Car avec son aide et sa grâce, vous pourrez supporter les épreuves et tous les soucis qui vous accablent. On va aller lire encore dans la parole de Dieu. J'aime faire parler la Bible. J'aime faire parler le Seigneur par ses, ses écrits. Dans Hébreu 4, Hébreu au chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux. Jésus est parti de sa demeure, le ciel, on suppose que c'est. Mais il est venu ici. Il est venu. Et le, le grand souverain sacrificateur, c'est le top des tops des tops. Aujourd'hui, il appelle ça le pape. Mais c'est l'homme qui fait ça, là, pas Dieu. Là. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors cette loi qui était parfaite, qui venait de Dieu, Jésus l'a accompli à ma place, à la perfection. Parce que moi, je j'étais pas capable. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, du roi des rois, mes amis, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est à Jésus qu'il faut aller, personne d'autre. On a juste besoin de Jésus. Il y a tellement de noms, il y a tellement de noms, il y a tellement de noms. Nom. Presque autant que de personnes. Hein? Mais il y a juste un qui sauve. Il y a juste un qui délivre. Il y a juste un qui peut aller. Venez à moi, a dit Jésus. Venez à moi. Cette offre est gratuite. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous. Le vrai mot, c'est joue, là, mais ici, en bas, on dit joug. Hein? <laughs> Prenez mon joug sur vous. Attelez-vous avec moi. Là, il y a un joug, c'est deux ronds qu'on mettait pour atteler deux bœufs. Alors, on s'attelle avec Jésus. bien serré, puis avec un cadenas pour être sûr de ne pas sortir la tête. Hein? Soyons attachés ensemble avec le bien-aimé Sauveur. Je vous donnerai du repos, a dit Jésus. Je vous donnerai du repos. Notre salut est gratuit. Ce n'est pas par les œuvres de la loi, parce que Jésus l'accomplit, ou de la religion. Le repos dont Jésus parle, il s'agit des, des efforts incessants et vains de se sauver soi-même. Par des œuvres ou d'autres. Ce repos dans la grâce et la bonté de Dieu en Jésus-Christ ne doit rien aux œuvres, ne doit absolument rien aux œuvres. 11:30, mon jour est doux et mon fardeau léger. Dans Éphésiens 2, on va retourner dans ce livre-là, verset 8. Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Sauvé veut dire être pardonné de nos péchés et hérité de la vie éternelle. C'est ça, sauver, en gros. Par le moyen de la foi, il faut y croire. Il faut croire s'il y a des cris dans la, dans la Bible. C'est Dieu qui a écrit cela. Dieu a révélé par son esprit à des hommes. Vous lirez la Bible d'un couvert à l'autre. Moi, ça fait... Euh, 50 ans que je la lis, ce n'est pas plus là. Puis je n'ai pas encore vu à place où il y avait une erreur. Tout s'enchaînent un dans l'autre. 60 et livres, 40 auteurs différents, à des époques différentes, puis toutes s'enchaînent un dans l'autre. Juste ça est déjà miraculeux. Là. Surnaturel. On voit qu'il y a un être supérieur à quelque part. Qu'est-ce qu'il nous promet? notre héritage de la vie éternelle. Et cela ne vient pas de vous, hein? car c'est par la grâce, un cadeau, ça nous est donné gratuitement que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Il faut juste seulement croire, parce que la semaine passée, j'ai prêché, puis ça disait, crois seulement, crois seulement, crois seulement et tu verras. Mais crois. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est Jésus-Christ, mes amis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Encore la vie éternelle. Alors, c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi faut croire au seigneur jésus si nous voulons être sauvés et au verset 9 ce n'est point par les œuvres les œuvres de la loi ou celles de la religion des hommes afin que personne ne se glorifie donne gloire à des hommes ou s'en vante ou se pète les bretelles moi faites ça moi j'ai fait ça moi j'ai donné tant... » ça c'est la gloire des hommes L'orgueil et la rébellion. Ces péchés d'orgueil et de rébellion sont tellement tenaces, ancrés dans le, on peut dire, au plus profond de chaque être humain, que sans la puissance ou la puissante conviction du Saint-Esprit, on ne pourrait rien faire, mes amis. Tous refuseraient de reconnaître la profondeur de leur pauvreté spirituelle. Ça prend la conviction du Saint-Esprit qui vient. Moi, j'ai vu des personnes, euh, j'avais invité à des réunions des fois, puis si je m'attendais bien qu'ils n'avancent pas, euh, j'étais convaincu qu'ils n'avanceraient qu jamais en avant, avant de les emmener. Hein? Tout à coup, je les ai vus s'élever, pas en avant après la prédication. Je dis à personne, « Qu'est-ce que tu es allé faire là ?» Parce que ça faisait des années que j'y témoignais, puis il ne pas. <laughs> je ne le sais pas, il dit, je ne sais pas, mais il fallait que j'aille en avant. Aujourd'hui, il est sauvé, il s'appelle Guétin Boulanger. <laughs> il est encore dans le Seigneur. Puis son épouse. Alors, l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. De sa grâce et de sa bonté, mes amis. Envers nous, cette richesse de sa grâce est exprimée par sa volonté envers nous en Jésus Christ. Notre salut par grâce. Sans Christ, nous étions morts sur le plan spirituel, morts, aucune vie, morts raides sur le plan spirituel. On pensait même pas à Dieu des fois. Mais il nous a donné la vie. Et c'est là ce que Paul appelle l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Dans Ephésiens, chapitre 2, verset 1er, Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, par la loi que Dieu a donnée. On était morts, condamnés, coupables. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, puis lorsqu'on voit le train de ce monde, c'est des wagons de péché, et de mal. <laughs> selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est Satan, ça. C'est le diable. C'est la méchanceté de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, ceux qui veulent rien savoir de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. C'est ça les fils de la rébellion. Ils se sont rebellés contre Dieu et se rebellent de plus en plus. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, mais c'est du passé. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nos pensées n'étaient pas bonnes du tout, elles étaient très mauvaises, elles n'étaient pas filtrées avec la parole de Dieu. Là. Et nous étions par nature des enfants de colère. On se détestait tous l'un et l'autre. comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Merveilleux, mes amis. Merveilleux salut. Et au verset 6, Il nous a ressuscités, parce qu'on était morts, Il nous a ressuscités ensemble, et Il nous a fait asseoir ensemble dans les yeux célestes en Jésus-Christ. On a droit à toutes ces richesses spirituelles. Alors oui, parce que nous étions morts. Et au verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendus vivants avec Christ. Il nous a dû rendus vivants. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Être sauvé, c'est être rendu vivant, mes amis. C'est être ressuscité de mort qu'on était. Il fait grâce, et sa grâce contient des richesses infinies. Des bénédictions infinies, mes amis. Le Seigneur est riche en puissance et en sagesse, mais il est infiniment riche en grâce, si bien qu'il peut abondamment pardonner. Abondamment pardonner. Vous savez, si vous êtes en prison, quand un juge vient vous voir, puis on vous fait grâce, sortez. Vous n'avez pas obligé de vous accrocher après vos barreaux et vous tenir là, là. Vous pouvez sortir. C'est ce que Jésus est nous faire. Tes péchés sont pardonnés. T'es libre. T'es libéré. Tous les besoins de notre monde en péril ne pourraient épuiser les richesses de sa grâce, mes amis. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Romains 5, 20, Car où le péché a abondé, Et le péché, savez-vous où ce qui a, qu a abondé? À la croix du calvaire, en crucifiant un juste. La louette défendait ça. La grâce a surabondé. Où est-ce que le péché a abondé? La grâce a surabondé. C'est au-dessus. Au-dessus de cela. On a un exemple, et c'est celle de Paul. Et on va aller dans Timothée. Premier Timothée. On va lire à partir du chapitre, du verset 12, chapitre 1, premier verset 12. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, vous en étiez un, moi, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, pardon, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, pas dans la foi, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, a surabondé, où ce que le péché a abondé. La grâce a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, toute l'étendue de sa patience envers moi, en d'autres mots, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. En voulant dire, si le Seigneur était capable de me sauver, il va être capable de vous sauver. S'il m'a pardonné, il va vous pardonner. On ne peut pas lire ça sans lire le verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton saint nom soit béni pour mon salut. C'est ça que Paul dit. Merci Seigneur. Merci pour ce salut si grand. Puis, il a consacré sa vie à cela jusqu'à sa mort. Les apôtres aussi. Puis il y en a plusieurs qui sont morts, persécutés, puis martyrs. Car il a plu à Dieu de manifester les richesses de sa grâce, en faisant preuve de bonté envers nous, qui étions par nature des enfants de colère. Par nature des enfants de colère. On n'a pas. C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas aux enfants, la colère. Ça vient naturellement. Mm -hmm. Ils nous font des crises, là, des crises à n'en plus finir. Là. On voit ça dans les magasins des fois. On dirait un petit diable sur patte. Oh, hey, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Euh, la colère, ça, on pourra d'enseigner ça à personne. C'est naturel. On veut ça s'écraser un doigt d'une porte, puis on, on va le voir. Sa bonté envers nous s'est manifestée premièrement en permettant que son propre Fils soit blessé pour nos péchés. On va le lire dans Isaïe 53, verset 5. Mais il était blessé dans des versions. Dans d'autres versions, ça nous dit ⁇ Percé ⁇ Percé. Pas juste blessé, mais percé. Les deux mains percées, les deux pieds percés, puis le côté percé. Puis percé sur le crâne avec la couronne. Hein? A été percé. Blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. D'être là, là, on a assez pour être sauvé. On aurait assez pour comprendre qu'il faut crier à Jésus, puis réclamer son pardon puis son salut. Il t'expliquait là. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, sauvés. Des places, c'est écrit « sauvés ». Un autre point, en donnant tout, en pardonnant tous nos péchés dans Acte 13, 38, sachez donc que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Il faut juste s'avouer pécheur devant Dieu. Là. Je ne sais pas s'il y ont de la misère ici à s'avouer pécheur. Moi, je n'ai jamais eu de misère avec ça. Le Seigneur est un pécheur. la tête aux pieds. Hmm? la bouche au ventre. La bouche à cervelle. Hein? C'est un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai pleuré mes péchés. J'ai pleuré mes péchés. Je ne les ai pas tous mentionnés, mais j'ai pleuré devant Dieu. Je me suis avoué que j'avais une nature pécheresse. Puis ça, c'est dur à avouer, mais c'est ce que Dieu veut entendre. Parce qu'il y a une nouvelle nature pour nous à nous donner. En faisant de nous ses fils et ses filles, en nous envoyant le Saint-Esprit, pour que nous le connaissions plus intimement et le servir avec fidélité, mes amis. Je vous laisse porphelin, il a dit aux apôtres :« vous envoie mon Saint-Esprit. Et ce, cet esprit-là, on l'a besoin dans notre esprit. On n'est pas animal, on a un corps, un homme, un esprit. Il faut que Dieu, on, Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité en plus. C'est pour ça qu'ils notent sur leur lit de mort, ils se puis ils ne savent pas bien. Ils ont peur, ils sont crispés. Mais nous, la mort est une délivrance. La mort est un gain. On sait ce qu'on va, on s'en va dans la présence de Dieu. On quitte cette terre de misère et de malheur. Puis on s'en va dans la présence merveilleuse de Dieu. Mais en son temps. Ce <laughs> n'est pas à nous autres à choisir le temps. Parce que Dieu a une mission pour nous. Et des fois, on pense qu'elle est finie, mais elle n'est pas finie. Imaginez, Moïse avait 80 ans. Fini, moi, avec sa mission-là. Dieu ne me calera pas 80 ans. Mais ben non. Dieu apparaît dans un buisson et dit Tu vas aller délivrer mon peuple. Ben, Seigneur, j'ai 80 ans. Puis euh, il s'est objecté à cela, hein? Au moins cinq fois. Je ne vais pas écrire ça prochainement. Là. Bientôt, 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 là, mais je vais l'étudier cette semaine. Bon. Et aussi en nous préparant une place pour nous dans la maison du Père. Dans Jean. Chapitre 14. que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est toujours Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous a, je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est quelque chose. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose qu'il faut croire. On doit croire à la parole de Dieu si on veut être, avoir un peu de joie sur cette terre. <laughs> Et de l'espérance, mes amis. Le canal par lequel sa bonté s'écoule, premièrement, c'est en Jésus-Christ. Dans titre, j'aime bien les lire dans titre. Il y a trois chapitres. Vous pouvez lire ça dans l'espace de pas de temps. Mais si vous le méditez, vous pouvez prendre un an pour le méditer. Titre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, ils ont été manifestées en Jésus-Christ, il nous a sauvés. S'il si nous a sauvés, c'est qu'on a besoin d'être sauvés. Hein? Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit, le renouvellement du Saint Esprit c'est donné à Pentecôte, mes amis. Le baptême de la régénération, c'est quand que l'Esprit est venu en moi, dans ma vie. Il a fait de moi son enfant et m'a sauvé. C'est ça qu'on appelle le baptême, naître de nouveau, le baptême de la régénération. Puis ça. Si on n'est pas de nouveau, on ne comprend pas la parole de Dieu. On peut devenir religieux. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont religieux. Mais ne sont pas sauvés. Puis n'ont pas compris la grâce de Dieu. Ils ne peuvent pas la saisir. Il faut naître de nouveau. faut que l'Esprit de Dieu pénètre en moi. Sinon, on va pas préférer mon intelligence et ma pensée. Et on envoie de plus en plus. Prêcher avec leur intelligence et leur pensée. Sont, il y a des pasteurs qui ne sont même pas nés de nouveau, mes amis. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Ça ne fait jamais qu'ils prêcheront sa nouvelle naissance. Ils sont capables d'expliquer un peu, par exemple. Parce qu'ils savent tellement de versets qu'ils sont capables d'expliquer, mais ils n'ont pas vécu l'expérience. Puis lorsque vous allez les, les, les regarder aller, vous dire Ah, il n'est pas né de nouveau, lui. pas dur à voir. Ça prend cette nouvelle naissance-là, à tout prix. Et il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice, la loi, que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas vécu ça dans votre vie, vous n'êtes pas sauvés. Pour moi, qu'il dit, je le lis dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit, fait que, moi pas de tomates, là. « Et qu'il a répandu sur nous, en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifié par sa grâce, un cadeau, mes amis, nous devenions en espérance, par la foi, héritiers de la vie éternelle. » On devient héritier de la vie éternelle. Si ça vous intéresse, la vie éternelle, c'est ça. Si vous ne vous intéresse pas, mais continuez comme vous êtes. Puis sur votre lit de mort, vous allez avoir peur. Laissez-moi vous dire, vous allez avoir peur. Vous allez être dans la crainte parce que vous ne saurez pas ce que vous êtes ou ce que vous allez. On doit vivre cette expérience pour être sauvé à tout prix naître de nouveau. Jean 3. Vous lirez ça à la maison, Jean 3. Il y a un, la Bible me dit, dans 1 Timothée 2, 5, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Si je veux parler à ma femme, mettons qu'on est en chicane, là, pour me servir d'un médiateur. René, c'est quoi un médiateur? parce qu'il était avocat, puis il a servi de médiateur entre l'homme et la femme, souvent. Parce qu'il était en chicane, puis il ne voulait plus se parler. Alors, il servait d'un médiateur. Mais Jésus est notre médiateur. Nous, on est en chicane avec Dieu, qui il veut nous réconcilier. fait qu'on passe par un médiateur. Mais Jésus a tout porté. Il prend tout. Il a payé le prix. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors, à qui on doit s'adresser selon vous À qui la Bible nous dit de s'adresser à tous les saints, à tous les hommes de Dieu qui ont passé dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament Non, à Jésus et Jésus seul. Jean 14, 6 Nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas être plus clair que ça. Là. Jésus est très clair dans sa parole. Il suffit d'aller fouiller et de la connaître. Ce Jésus que Dieu a rempli de toute la, de sa plénitude, infinie richesse, afin qu'à travers Jésus, sa bonté se manifeste envers l'homme, misérable et impuissant, mes amis. Romains 7, 24. Paul dit Misérable que je suis, misérable que je suis. Oui, on est des êtres misérables sans le Seigneur. Et Paul dit Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort après avoir mené une lutte vaine contre le péché la personne non régénérée est finalement rendue captive, mes amis, esclave du péché. On ne peut pas lutter contre le péché et le remporter. On va en devenir esclave. Si on va dans Romains, au chapitre 7, verset 23, Romains 7, 23. Mais je vois dans mes membres, dans mon corps, une autre loi qui lutte contre la loi, contre la loi de Dieu, et lutte contre mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. On est des pécheurs. C'est ça que ça veut dire. Le péché finit par triompher et la personne est devenue complètement esclave du péché. Mais au verset 14 de ce même chapitre, nous savons en effet que la loi est spirituelle, est bonne, vient de Dieu. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Je suis vendu au péché. Son état est misérable à cause de ça. Et nous aussi, on était misérables à cause de ça. Alors, qui peut le délivrer? La réponse se trouve au verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Qui me délivrera Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Lui seul peut nous libérer de la loi du péché et de la mort. Personne d'autre. Personne d'autre. Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est pour ça que Dieu a donné son Fils unique. Je pointe vers le mur, parce que le verset est écrit au mur. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don de la vie éternelle, c'est un cadeau que Dieu nous donne. On n'a pas d'affaire à payer un cadeau. Si on paye un cadeau, ce n'est plus un cadeau. C'est un refus du cadeau. La mort spirituelle est le châtiment pour tout homme esclave du péché. La vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Un, un don que Dieu offre aux pécheurs, dépourvu de tout mérite, de tout mérite propre, comme on pourrait dire. Éphésiens 2.8, on va retourner. Éphésiens. Et je relis encore. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Maintenant, on va aller. 1 Jean. Je termine avec cela. Je vois des sourires déjà. 1 Jean 5. Regardez, Jean, là, qui était proche du Seigneur, qui aimait le Seigneur. 1 Jean, chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Si cette vie-là serait dans un autre, ça serait écrit un autre. Mais c'est très clair dans la Bible. Cette vie est dans son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, a dit le Seigneur à son baptême. A dit Dieu par rapport à son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Ni la vie spirituelle. Si on veut avoir la vraie vie spirituelle, ça prend le Fils dans ma vie, dans mon esprit, ça prend son esprit. C'est facile à comprendre. J'expliquerai ça à un enfant de 3 ans et il comprendrait. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Au verset 20, ma maison, vous pourrez lire toute, toute la Bible même, hein, tout ce livre-là. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus Christ. Le véritable, c'est Jésus Christ. C'est Lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Là, on vit d'un monde païen au Québec. J'ai rendu plein de statues, j'ai même été d'une serre pour voir des fleurs, puis c'était plein de Bouddha, puis de tout, tout, toutes sortes de dieux étrangers. Voyons, ça fait là d'une serre, ça. Ils ont rejeté Dieu, puis ils embrassent Satan. Ça devrait être le contraire, rejeter le diable, embrasser Dieu, notre créateur. Alors la grande question est, Qu'as-tu fait de mon fils? Si tu meurs aujourd'hui, où vas-tu? Où vas-tu si tu meurs aujourd'hui? Vous savez, un jeune homme l'autre semaine là, qui s'est tué là, entre Saint-Martin et Saint-Gaud, puis un autre qui s'est tué entre Saint-Hédéon. pensait qu'ils allait vivre éternellement, eux autres, là. Ils ont parti le matin, puis ils sont partis. Jamais qu'ils se doutaient qu'ils mourraient. Là. Moi, j'ai été à deux services funèbres la semaine passée. Là. personne ne se doutait pas qu'il allait mourir, là, la plupart. Ils sont morts quand même. Est-ce qu'il y avait l'assurance de la vie éternelle? Dieu dit dans sa parole, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Il y a une préparation, mes amis. Puis Jésus est venu nous l'apporter, cette préparation-là. Alors, as-tu l'assurance de la vie éternelle présentement? Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. As-tu le Fils dans ta vie, dans ton cœur? As-tu accepté ce sacrifice de Jésus-Christ à ta place? C'est ça la vraie question. C'est ça qui nous sauve. À qui tu t'adresses pour pardonner, faire pardonner tes péchés? À qui t'adresses-tu? Ah, peut-être que tu te fais à croire que tu n'en fais pas, mais ça c'est l'illusion totale. Là. Alors la vie éternelle existe et cette vie éternelle est en son Fils, puis il n'y a rien de plus beau et de plus grand. On va vivre éternellement sur cette terre-là. Il y en a qui vivent. Moi, j'ai eu un, un fils, une fille qui a vécu une semaine, cinq jours, après ça il morte. Il y en a qui vivent un mois, on meurt. Il y en a qui vivent un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, cinquante ans, cent ans, cent vingt même. Après ça, ils meurent. L'éternité a pas de fin. Un corps glorifié, un nouveau corps. Dieu, si était capable de nous en créer un, il va en créer un, un autre, mais un glorieux, comme il y avait à la résurrection. Il nous a prouvé que ce corps-là existait aussi. On a toutes les preuves. Alors, mais qu'on se présente devant Dieu un jour, mais qui juge le monde, quand tu fait de mon fils? Ah, ben, Seigneur, rien. Rien. Je vais me procurer ça, moi à ça? Ah, ben, il y a un lieu préparé pour toi pour l'éternité. L'autre qui est sauvé ne passera même pas en jugement parce qu'il va l'avoir accepté. Entre dans la présence de ton maître. Passe l'éternité avec moi. On a été créés avec la pensée de l'éternité, mes amis. Étouffons pas cette pensée-là avec des faux raisonnements. Peut-être que les musiciens peuvent venir jouer un dernier chant. Alléluia. Seigneur Jésus, ceux qui sont, ça les intéresse d'inviter Jésus, répétez après moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, révèle-toi à moi, fais-toi connaître, pardonne mes péchés, Seigneur. Je suis un pécheur et j'ai besoin de ton salut, ton salut par grâce. J'ai besoin de ce cadeau de la vie éternelle. J'ai besoin de ta vie en moi, Seigneur, pour l'éternité. Alors viens dans mon cœur et fais de moi une personne nouvelle. Je te veux, Seigneur. Je te désire. Entre en moi. Entre dans ma vie. Amen. Ce matin, le Seigneur s'est juste fait connaître. Il frappe à la porte du cœur. Mais Dieu dit si quelqu'un ouvre, j'entre. Alors, je vais laisser la place.